Panamérique. Alors, c'est super, hyper méga beau. On a une très belle vue sur Montréal. On voit des beaux et grands buildings. J'avais dit que j'allais t'afficher. Elle habite à Montréal, ça fait 3 ans. Madame n'était jamais venue au Belvédère. Je t'attendais. Condia Rock, s'il vous plaît. Elle était jamais venue. Là, on est en train de redescendre et en fait, on réalise qu'on aurait peut-être pu ne pas prendre les escaliers et souffrir autant. Comment est-il ? Tu vois, c'est une petite balade, c'est pas la souffrance. Comment respirer fort là ? On n'était pas les seuls en plus. Non, tout le monde était transpirant. Là, c'est vraiment la petite balade. Regardez-moi ce soleil. Ah mais oui, on arrive au parking. Regarde là-bas. Du coup, nous, on a vraiment souffert pour rien. Mais non, mais nous, on n'a pas d'auto. On va aller du côté du métro. Attends. On a pris la direction du lac au Castor. Et on va voir où ça nous mène. On découvre. Non, mais je suis sûre qu'il y a moyen d'avoir un bus, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est trop joli, tout le parc Mont-Royal, là. C'est vraiment joli. Est-ce qu'on va voir des castors? T'as déjà vu des castors, toi? Je pense que oui, mais pas ici. Waouh. Là, on est venu faire du bateau et vous avez Capitaine Méandre au fourneau et on n'avance pas du tout. Je vous laisse voir, ok? Alors, j'essaie d'abord de capter. Regardez ce qu'il y avait. Un peu, on avance un peu là. Mais on retourne, il y a Bad. Là, c'est comme si on repartait. Et le plus fou, c'est qu'on ne peut pas faire échange en fait. Ça fait que là, comme elle a commencé, elle doit. Elle doit terminer. Mais ça va se dérouler pas mal. Pas mal, regardez, on avance un peu. On était là-bas. Non, on était là-bas. Fait que là, on est là. Au début, on était au coin, puis on a quand même pas mal avancé. Bravo. Elle a sorti tout. Oh mon Dieu. Mais... C'est la panique à bord. Attends. On ne bouge pas. On reste calme. Tout va bien. Panique à bord. C'est bon. Je suis le capitaine de mon navire. Let's go. Je sais pas comment faire. Yes. $26. For 20 minutes. 30 minutes. Yes. Le capitaine a compris le principe, là, c'est bon. On avance, les amis, on avance. Regardez, on avance. On était bloqués là-bas. On a fait 10 minutes. Là, on avance. Oui, Captain. Hey, capitaine. Capitaine, t'as fauté là. J'ai fauté. Attends. Quelle vue. En fait, le truc avec l'eau, hein, ça va toujours finir par te porter quelque part. Oui, mais même te porter où? Le capitaine a compris, hein. Elle évite même des obstacles. Ça va. Là, le capitaine a abandonné et puis on va... Ah oui, on est bien.
après notre petite aventure au lac, là on est en train de redescendre. Ça nous fait 20 minutes de marche, mais ça va. Redescendre pour reprendre le métro et rentrer chez nous. Regardez comment on souffle pas. Là, on est de retour à la civilisation, les gars. On est sur quelle rue, hein? J'aurais vraiment visité par hasard cette ville. Parce qu'à chaque fois on se retrouve quelque part, c'est vraiment... Le lac de Castor, je pensais pas que j'allais le voir vu que mon programme est déjà super serré. Et là finalement je me suis retrouvée au lac de Castor. Trop bien. Et même les expos et tout, on est tombé dessus comme ça. Ah là là, c'est trop chouette. C'est trop mignon ici. Mais c'est juste qu'il faut vraiment beaucoup... Il faut beaucoup monter quoi. Mais c'est un quartier trop mignon. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love. Et de la manière dont je suis remplie, je sais même pas si c'est dire. Mais franchement, c'était bon. Je suis KO là. On a de la citronnelle. Si vous connaissez, vous connaissez. Le thé citronnelle ou l'hibiscus. Rien à dire. Ça, c'est trop cool. C'est la partie avec toutes les plantes qui sont utiles pour se nourrir, pour se soigner, etc. Ça, là, c'est du curcuma. Je suis trop impressionnée. Genre, je pouvais pas imaginer que ça ressemblait à ça. La bourrache. C'est, en plus, c'est un complément alimentaire que je prends pour les douleurs de règles. Super efficace. Mais c'est aussi une épice, du coup. Franchement, je pense pas que je vais tout filmer parce que sinon, cette vidéo sera vraiment une vidéo sur les plantes. On pensait tomber sur une expo Barbie, l'expo gratuite, mais c'est tout. Regarde, il reste que ça là-bas. Je vais vous montrer. C'est tout ce qu'on verra. Ça, c'est l'école de madame ici. Oui, ça. UQAM. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous appréciez ce vlog jusqu'ici. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle journée à Montréal. Et pourquoi ça me fait rire de dire ça? C'est qu'on n'était pas censé être à Montréal. On était censé être à New York. Oui, 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 oui. Là, maintenant, à l'heure où je vous parle, normalement, j'aurais été en train de gambader dans les rues de New York à profiter de la magnifique Apple City. Mais je suis à Montréal. Pourquoi je suis à Montréal? Parce qu'il y a eu un petit bug. Il y a clairement eu un petit bug dans mes plans. Et je vais vous expliquer comme ça, vous n'aurez pas les mêmes péripéties que moi, en plus que c'est un truc qui est trop bête. Bref, je vous explique. Quand j'ai décidé de venir à Montréal, je me suis dit, tu sais quoi, je vais en profiter pour aller à New York parce qu'il y a possibilité de prendre un bus qui fait 8 heures de route toute la nuit et le lendemain matin, tu es à New York. Donc je me suis dit,
cool, je vais en profiter pour faire ça. Donc j'ai pris mes billets, etc. Normal, jusque-là, ça va. L'aller-retour, il était à plus ou moins 150 $, donc on va dire 130 €, que je trouve être quand même... Bon, c'est, je sais pas, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que c'est cher? Franchement, l'avion était quand même beaucoup plus cher, donc j'ai préféré tenter le bus. Hier soir arrive le moment où je dois prendre mon bus. Et pour moi, j'avais rien de spécial, j'avais l'autorisation d'être au Canada et je devais juste faire un petit séjour à New York. Pas besoin de papier pour les États-Unis vu qu'on passe par la route. En tout cas, c'est ce que j'avais compris parce que pour moi, c'est comme les gens qui font du covoiturage jusqu'à New York. Est-ce qu'ils vont prendre un visa, etc. Dans la logique, c'était pas le cas. Et en plus, quand j'ai booké le ticket de bus, on m'a donné aucun détail à part le fait que je devais juste avoir un passeport valide pour mon séjour, ok. Ce qui était mon cas, donc moi j'avais rien fait d'autre. Arrivé donc hier soir, au moment de prendre mon bus, j'arrive, je présente mon passeport valide, mon passeport que je trouve être suffisant. Et là, la dame, elle me dit, do you have your ESTA? Donc, avez-vous votre ESTA? Et j'étais là en mode, no I don't. And she said, genre, désolée. Et elle a dit genre, oh, vous n'avez pas votre ESTA? Et j'étais là en mode, non, je ne savais pas qu'il fallait l'avoir. Parce que je sais ce que c'est un ESTA, mais je ne pensais pas qu'il fallait l'avoir pour ce trajet-là. Et donc, elle me dit, ah, mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas prendre le bus parce qu'à la frontière, on va vous refuser. Il faut absolument l'ESTA. J'étais en mode, mais... je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je vais faire quoi? Pour le coup, elle me dit, bah, ce que vous pouvez faire, c'est téléphoner la compagnie de bus, expliquer que le trajet vous a été refusé et que vous voudriez prendre un autre aller. Et entre-temps, faites votre ESTA, ça arrive assez rapidement, donc d'ici demain matin, vous l'aurez. Je me dis, ok, première chose à faire, c'est faire mon ESTA. Donc je m'assois, je commence à le faire à la gare d'autocar des bus. Hein. Donc je commence à faire les documentations pour avoir le ESTA, etc. Je le fais. Ensuite, je prends contact avec la compagnie de bus qui m'informe que je vais devoir payer un nouveau ticket de bus. Donc totalement, j'aurai pas de refund parce que j'aurais dû annuler mon trajet au moins 15 minutes avant le départ et je l'ai pas fait. Et vous savez, le pire, c'est que 15 minutes avant le départ, j'étais là. J'étais à la gare d'autocar. J'étais vraiment là, en train d'attendre, quoi. J'aurais très bien pu le faire, mais bon, voilà, je l'ai pas fait. Hier soir, j'étais en mode, ok, j'ai fait mon ESTA, l'affaire du billet, je verrai demain matin comment je vais me réveiller. Et honnêtement... Je me suis réveillée ce matin et j'étais en mode, tu sais quoi, c'est pas grave, je laisse tomber, j'y vais pas. Parce que je suis pas venue ici pour être stressée en fait. Et j'aime trop cette ville de Montréal, je me suis dit c'est pas grave si je vais pas à New York, ça me fait encore plus de jours ici. Me voilà toujours à Montréal pour les 3 prochains jours pendant lesquels j'aurais dû être à New York. Mais c'est pas grave, franchement je me sens bien, c'est juste pour une prochaine fois. Après j'avoue que... L'argent perdu dans tout ça, c'est un peu chiant. Sachant que bah, du coup, il y a l'aller du bus que je ne vais pas récupérer et ma nuit à l'hôtel que je ne vais pas récupérer non plus. Et voilà, that's it. C'est dommage, mais bon, je ne peux rien y faire. Et franchement, ce qui est assez drôle, c'est que durant tout ce voyage, j'arrêtais pas de répéter que « Ah, c'est marrant, ici j'apprends le lâcher-prise. Ah, c'est marrant, ici j'apprends le lâcher-prise et tout. » Et là, clairement, quand je me suis retrouvée devant la dame, c'est dingue, mais j'étais en mode, you know what? Voilà. Et en plus, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que si j'avais pris le bus, j'avais été refusée à la frontière, j'aurais dû trouver le moyen moi-même de revenir sur Montréal. Donc finalement, Dieu fait bien les choses. C'est mieux qu'on m'ait stoppé avant d'embarquer dans le bus, que je me fasse refouler à la frontière des États-Unis, sachant que j'avais pas le ESTA et qu'en plus, je n'avais pas non plus de preuve de vaccination Covid. Voilà, c'est les choses à prendre en compte si vous souhaitez prendre le bus. Voilà pour aujourd'hui, je voulais juste vous expliquer un peu ma petite péripétie. Et là, je vais sortir, profiter de Montréal parce qu'il y a un beau soleil aujourd'hui. Et voilà, donc on continue sur Montréal, ce qui est très bien d'ailleurs. Et voilà. Quand je disais de venir étudier ici... Puis tu es en cours. Il y a des plus grandes salles que ça. J'aime pas trop les cours. Et puis t'as l'impression que t'es... New York! Bienvenue à New York! Tu m'as dit que t'as
bien. Ouais, j'ai expliqué ma petite péripétie. Oh, welcome to New York, baby. Non, ben voilà, je suis venue rejoindre Jessica, l'actrice principale de ce vlog. Oh. Et là, on va aller faire la grande roue. Et puis, je sais pas. On va pas rentrer trop tard aujourd'hui parce que ça fait 2 jours qu'on fait que dormir à 1h du matin là. Donc aujourd'hui on va chill. Donc faut dire on rentre à 1h, 1h50. Ouais. On dort à 1h30. On dort à 1h30, ouais. Papa, maman. Là on est à la place Vigueur. Si vous vous souvenez bien, je vous l'ai déjà montré. Mais j'étais là-bas de l'autre côté. Regardez-moi la taille du truc quoi. Cette fois-ci, on est toutes les deux capitaines, donc attention. Là, je vais pousser vers la droite, vers la gauche. Non, il va vers la gauche, regarde. Ok. Non, moi, c'est zé. Regarde. Tu vois, c'est des pas mal. En tout cas. Regarde comment on vire. Ah oh, non. Capitaine. Vigueur là. Sur les bateaux. Ah mais alors, capitaine. Non, Rosaire. Ah mais alors. Voilà, on passe sous le pont. On s'est carré les amis. On fait une petite pause. Capitaine. She loves Montréal. On a pris la grande roue et on est toutes seules dans un petit truc. Ah, bon. La vérité, c'est trop beau. Waouh. Attends, je crois, regarde, il y a le pont Jacques Cartier. Tout allait bien. Tout allait bien. Tout allait bien jusqu'à ce que la capsule, elle bouge. Oh non, mais ça, c'est les trucs vraiment que j'aime pas. Oh, si je bouge, est-ce que ça va bouger? Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Franchement, là, j'ai les jambes qui lâchent. Mais Yann, ben, si je bouge. Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Essaye même pas. Prefabricated concrete molds. So Mr. Fuller for the F-267. The Olympic rally. You can see the building that has the green roof over there.
24 things. Bye, that's it. Wanna discover this island? This is the part of the Confederation. Désolée à tous les Québécois, tous les Canadiens qui vont regarder cette vidéo. J'ai testé la smoked meat sandwich là. En tout cas, pour mes papis à moi, ça va pas. Donc voilà. Mais je voulais vraiment tester parce qu'on a dit que c'est THE truc à tester. Et franchement, j'aime pas. Peut-être que c'est resto. Ouais, peut-être. Mais c'est pas mon goût. J'avais un restaurant complètement végétarien ici. J'en ai profité parce que j'ai besoin de légumes en fait. We're making a garlic bread and putting the oven on broil. He eats it. Go ahead. No, but he is also like wow. He does like ah ouais? He does a lot of work. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans ma dernière journée à Montréal. Et franchement, je vous avoue que je suis triste. Je suis vraiment triste que ce soit déjà fini. Je trouve que ce voyage, il est passé tellement vite. C'est incroyable. Ce vlog aussi touche à sa fin. Je sais qu'il est très très long. Mais voilà, c'était un voyage qui m'a fait énormément de bien. Vraiment, Montréal, c'est juste excellent. J'essaierai de revenir aussi en hiver pour avoir l'expérience. Parce que comme je dis à tout le monde, oui, c'est vrai, j'ai eu un coup de cœur pour Montréal, mais bon... C'est facile, il fait chaud, il fait beau, etc. Donc, est-ce que je serai prête à assumer l'hiver et à aimer autant la ville en hiver? À voir. Et sinon, j'espère que ce vlog vous a plu, qu'il était intéressant à regarder pour vous. Je vous ai vraiment pris en immersion dans tout ce que j'ai fait. Mais en tout cas, pour vous donner mon ressenti, c'est que j'ai l'impression que c'était un court voyage. Mais le fait que j'ai fait beaucoup d'activités en solo, ça m'a vraiment encouragée à passer plus de temps seule, même en Belgique. Parce qu'en fait, je suis une personne assez réservée. Je peux passer du temps seule chez moi, mais être seule à l'extérieur, c'est quelque chose que j'avais pas trop l'habitude de faire, à part peut-être pour faire les magasins. Mais là, comme j'ai fait par exemple manger seule, c'est des choses que j'ai pas du tout l'habitude de faire. C'était un peu un challenge pour moi de le faire et je me sentais bien en fait. J'ai compris que je peux faire plein de choses en solo, juste si je me sens en sécurité avec moi-même, donc bien avec moi-même. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai appris ici. Aussi, même ce que je vous disais par rapport au lâcher prise, savoir prendre les choses comme elles viennent, à me laisser porter, à ne pas tout le temps être dans le contrôle. Et puis, une dernière chose que je retiens, c'est qu'il y a tellement de belles choses qui peuvent arriver quand on accepte de juste emprunter des chemins qu'on n'avait pas prévus. Je crois que c'est ça. C'est vraiment ça la conclusion de mon voyage ici. Donc, je pense que si j'applique ça dans ma vie en général, il y a aussi beaucoup de choses, de belles choses qui pourront m'arriver sur le plan personnel ou autre. Donc voilà, c'était un peu ça pour ma conclusion. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me laisser vos questions, j'y répondrai. Et bien sûr, regardez la barre d'infos parce qu'il y aura toutes les infos à savoir, différents liens, des sites internet que j'ai utilisés, etc., etc. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Bye! Toujours en train de marcher. Profitez hein, de la voir. Hein. Elle part demain. Retenez bien ce visage. C'est vite passé. Ouais. Je suis seule. Avec qui je vais pourrais visiter Montréal. Mais en plus, franchement. Alors, on a pris un vélo alors qu'on ne sait pas pédaler. Bon, Yabat, ça fait 3 ans qu'elle a pas pédalé, mais bon. Et la dernière fois que je l'ai fait, est-ce que j'avais réussi? Telle est la question. Alors moi, je sais même pas pédaler du tout, donc on va faire une aventure. Dernière aventure. En fait, j'arrive même pas à mettre mon deuxième pied à cause de la robe. Allez, méandre. Regardez, elle pédale. Waouh.
28 kilomètres.